Obsèques nationales ce matin, N'Djamena, pour Idriss Déby. L'annonce de sa mort mardi, consécutive à des blessures reçues au front, selon l'armée tchadienne, a provoqué un électrochoc au Tchad et en Afrique. 12 chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Aurélie Bazara, vous êtes en direct de N'Djamena. Après l'hommage officiel Place de la Nation, le cercueil du président est à présent à la Grande Mosquée. Oui, la chaleur écrasante de l'après-midi tchadienne n'a rien enlevé à la solennité de la cérémonie qui est désormais terminée. Les proches du président, notamment ceux qu'on appelle les baministes, les premiers compagnons d'armes d'Idriss Déby Itno, qui ont fondé le MPS avec lui, sont à la Grande Mosquée. Militants et familles sont également présents. Le parvis de cette Grande Mosquée est bondé. Le Grand Marché, lui, juste en face, désert. Les hommes sont en majorité enturbanés de blanc et les femmes couvertes dans la faille noire. L'heure maintenant est à la prière, elle vient juste de se terminer. Encore des personnes se recueillent une dernière fois, versent quelques dernières larmes pour beaucoup avant la remise de la dépouille à la famille. Tous partiront cet après-midi à Amzaras, ville dans l'est du Tchad et terre natale du président Déby, où il sera inhumé en toute intimité. Lorsque l'on parle aux sympathisants venus, beaucoup retiennent une image de cette cérémonie. Celle du cercueil du président défunt drapé de bleu jaune rouge, les couleurs du Tchad, une dépouille placée au milieu de la vaste place de la nation et sur laquelle on avait déposé les attributs du maréchal. Aurélie Bazara en direct de N'Djamena. Premier temps fort donc ce matin, l'hommage officiel Place de la Nation. N'Djamena, hommage marqué d'abord par les prises de parole de la famille, celle d'Idna Déby, la dernière épouse du défunt président. Vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils, et ce que vit une femme qui perd son époux, son autre moi. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est pour moi un époux exemplaire, un père attentionné et un conseiller avisé. C'est dire qu'un repère entier a disparu. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. L'émotion de Inda Déby, l'épouse d'Idriss Déby Itno. Autre parole très remarquée dans les rangs de la famille, celle de Zakaria, l'un des fils du défunt chef de l'État, qui a prêté allégeance à son frère Mahamat, le nouvel homme fort au pouvoir, comme une manière de faire taire les commentaires sur les divisions de la famille présidentielle. Je voudrais aussi, une toute bonne fois, affirmer aussi que notre soutien total, dévoué, sans limite, par la plume, pour ceux qui sont dans le civil, et par les armes, pour ceux qui sont dans l'armée, au président du Conseil militaire de transition, son excellence le président de la République, chef de l'État actuel, Mahamat Idriss Déby, le général. Aussi, mes chers compatriotes, chers tchadiens, je vous remercie de tous les mots, de tous les messages d'affection. Je vous remercie pour cela. Zakaria, l'un des fils d'Idriss Déby. C'était donc la foule des grands jours ce matin sur la place de la Nation à N'Djamena, aéropage de chefs d'État et aussi de personnalités tchadiennes. Madji Asranako, en direct de N'Djamena, qui était là, qui ne l'était pas? En plus du président Emmanuel Macron et du président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, Tous les quatre autres grands chefs d'État du G5 Sahel, donc le Burkinabé Kabore, le Mauritanien Khazouani, le Malien Ndao et le Nigérien Bazoum étaient là. Invité surprise, c'est le voisin du sud, le Centrafricain, le Centrafricain Archange Touadéra, qui n'était pas annoncé jusqu'à ce matin, et qui est arrivé à la grande surprise. Les autres pays voisins, comme le Soudan et la Libye, ont aussi été représentés. Mais un grand absent, c'est le voisin, Paul Biya. Il n'a pas l'habitude des voyages. Et une autre absence remarquée est celle du président Sassou, le dernier à qui Idriss Déby avait rendu visite, mais qui, selon la de sources officielles, n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons familiales. Ici, en interne, c'est aussi... Les grandes retrouvailles autour de la dépouille du chef de l'État, donc l'ancien président Goukouni était là, mais on a vu aussi des figures de l'opposition, comme Salih Kedzabo ou encore le candidat à la présidentielle, Brice Diendéba Mbaïmo, les anciens premiers ministres étaient là.
Mais on a remarqué, par exemple, l'absence de succès Masra, dont semble-t-il la maison est encerclée par la police et donc il n'a pas pu faire le déplacement de la place de la Nation. Madjas Ranakou en direct de N'Djamena, Success Masra absent donc de la place de la Nation. Il a été empêché, nous dit-il, de participer à la cérémonie. J'ai été approché pour participer à la cérémonie. On m'a appelé oralement. Je leur ai demandé de m'envoyer une invitation. Et comme ils ont confisqué mon passeport, j'ai demandé que mon passeport soit joint parce que je ne peux pas me déplacer dans des lieux sans un passeport. Je n'ai aucun document. Et je constate donc que ceci n'a pas été fait. Et dans la foulée, je vois la police qui a été envoyée encercler mon siège. Donc, ils n'ont même pas l'élégance de respecter ce que nous respectons, c'est-à-dire la période de deuil, ce n'est pas une période de querelle. Et donc, le sens des responsabilités qui nous anime nous commande d'avoir un minimum d'élégance. Donc, voilà, vous-même vous constatez. Et on a coupé aussi l'électricité, soit dit en passant. C'est révélateur de ce que nous devons venir à bout de cette manière de faire-là. Voilà, fortune diverse, semble-t-il, ce matin pour les représentants de l'opposition tchadienne. On l'a dit, 12 chefs d'État ont fait le déplacement à N'Djamena. Parmi eux, le président congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, qui a appelé à l'unité du peuple tchadien dans toute sa diversité. Plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité. Chers frères et sœurs tchadiens, puisse le sacrifice consenti par Son Excellence le président Idriss Déby Itno cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. Soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, particulièrement suivi également, bien sûr, la prise de parole du président français. Emmanuel Macron est le seul chef d'État occidental à avoir fait le voyage. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Emmanuel Macron, tout à l'heure sur la place de la Nation à N'Djamena. Pierre Firtion, quel est le message que le chef de l'État souhaite porter à N'Djamena? Soutien inconditionnel aux autorités ou nécessité d'une transition plus inclusive? Eh bien, Nicolas, vous l'avez entendu, par ces mots, le président français a clairement apporté son soutien à la transition en cours. Hein. Pour la France, on l'a bien compris, la stabilité et l'intégrité du Tchad priment sur tout le reste. Est-ce alors un blanc-seing donné au Conseil de transition militaire? Pas sûr, car lors d'une rencontre ce matin avec Mahamat Idriss Déby, Emmanuel Macron et ses homologues sahéliens ont visiblement insisté sur un point. Pour eux, cette transition devra s'appuyer sur d'autres organes que le seul Conseil militaire. Tout le monde est bien conscient que le volet civil de la transition devra avoir des pouvoirs importants et qu'il faudra avoir un équilibre satisfaisant entre le Conseil militaire de transition et les dispositifs civils qui se mettront en place, explique-t-on dans l'entourage du président français. L'objectif étant toujours, selon cette même source, d'embarquer l'ensemble des forces politiques et de la société civile tchadienne pour que la transition puisse fonctionner. Sur la durée de la transition, sahéliens et français se sont voulus fermes, 18 mois, pas plus. À noter qu'Emmanuel Macron n'a pas rencontré lors de ce déplacement express de responsables de l'opposition ou de la société civile, mais son entourage assure que des contacts ont été pris avec des représentants de la classe politique tchadienne pour, dit-on, entendre tous les messages. Quelle transition au Tchad, quel avenir, quel péril. On en parle avec nos invités jusqu'à 15h, heure de Paris. Guibay Gatama, directeur de publication de L'Œil du Sahel, en ligne de Yaoundé. Bonjour.
Bonjour. Thomas Gassilou, député français du groupe Agir Ensemble, membre de la majorité présidentielle, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous êtes également vice-président du groupe d'amitié France-Tchad. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Simon Andy, que nous retrouvons, conseiller régional principal à l'ISS de Dakar, l'Institut d'études et de sécurité. Rebonjour Paul-Simon. Rebonjour Christophe. Christophe Boisbouvier, qui est à mes côtés en studio, directeur Afrique de RFI. Édition spéciale. Une première question peut-être pour vous, Thomas Gassilou. On connaît hein, le goût du président Macron pour le « en même temps », mais dans les deux points qu'il a soulevés dans son allocution il y a une heure maintenant, place de la Nation, quelle est la priorité? La stabilisation du Tchad et donc une intervention active contre les rebelles du FACT ou une transition plus inclusive? Alors effectivement, j'ai pas eu l'occasion encore d'écouter dans l'intégralité l'intervention du président Macron, mais je crois qu'il ne faut pas opposer sécurité et bonne gouvernance, puisque la sécurité, c'est l'enjeu majeur, et on ne peut pas avoir de gouvernance sans sécurité. C'est pour ça que le président notamment a appelé à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad, qui est une condition nécessaire à une transition civile le plus rapidement possible. Et ce matin, le président de la République et ses homologues sahéliens ont vraiment plaidé pour cette transition civile et qu'elle se fasse dans des délais, on va dire, les plus courts possibles. Mais depuis la mort d'Idriss Déby, tous les signaux se sont mis au rouge. C'est un conseil militaire dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris le pouvoir, lequel concentre la quasi-totalité des pouvoirs. Une transition plus inclusive, est-ce un vœu pieux? On sort de 30 ans d'un pouvoir qu'on peut qualifier d'assez autoritaire, qui a laissé peu de place aux forces d'opposition. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait peut-être un peu naïf de penser qu'on peut envisager si facilement une transition parfaitement démocratique avec une société tchadienne, je crois, qui est quand même assez fragmentée. Et puis des circonstances exceptionnelles dans le pays, il faut le rappeler, hein, des rebelles qui sont à Mao, à 300 km au nord de la capitale, des groupes djihadistes qui sont toujours à la recherche d'opportunités pour agir, et puis enfin un apport du Tchad à la sécurité régionale, que ce soit sur son territoire, y compris au lac Tchad qui est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, mais également sur l'ensemble du Sahel, avec près de 2600 soldats tchadiens déployés au profit d'autres pays du Sahel. Une rencontre du président Macron avec les représentants de l'opposition tchadienne n'aurait-elle pas permis d'affiner le message? Cette rencontre n'aura pas lieu, nous dit-on. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, des contacts sont établis avec l'opposition tchadienne. Moi-même, en tant que parlementaire, j'ai des contacts qui peuvent exister avec l'ensemble des parlementaires du Tchad. Et donc ces contacts sont établis, seront à densifier par la suite. Et je crois que le président de la République a bien rappelé le souhait de la communauté africaine et de la France de voir une transition la plus inclusive possible, ce qui veut dire inclure l'ensemble des forces d'opposition. Guibaï Gatama, comment analysez-vous, vous, les propos d'Emmanuel Macron? Vous en retenez quoi? Ben, je retiens d'abord que c'est un signal négatif aux autres pays de la région, parce qu'on convoque des situations exceptionnelles et il y en aura toujours chaque fois qu'un chef d'État va décéder, il y aura toujours une situation exceptionnelle. Mais je retiens surtout que les Français défendent leur intérêt, c'est ce que j'essaie de comprendre, et c'est ce que je comprends d'ailleurs, parce que la République centrafricaine aujourd'hui, la France est fortement présente, mais sa présence n'est plus ce qu'elle était avant. Il y a des Russes, au Soudan également, en Libye aussi toujours des Russes. Et si au Tchad, un régime devrait avoir à s'installer qui ne soit pas compatible avec les intérêts français, ce serait un peu plus compliqué. Donc je comprends pourquoi les Français ont besoin qu'il y ait cette continuité, essayer de mettre de la forme pour le CMT, mais l'objectif est que le régime perdure. La France qui défendrait son pré carré, vous en pensez quoi, Thomas Gassilou? Je pense que je comprends cette analyse-là, mais je pense que surtout il y a un intérêt commun à la stabilité et à la sécurité régionale. Et donc il faut qu'on réfléchisse tous ensemble aux meilleures manières d'y intervenir. Encore une fois, la France n'a pas vocation à s'ingérer dans les affaires intérieures des pays africains et notamment ceux du Tchad. Et on appelle vraiment aussi à une mobilisation des organisations africaines pour intervenir. Et je crois que le G5 Sahel comme l'Union africaine sont aujourd'hui fortement mobilisés
pour faire en sorte que cette transition civile et démocratique ait lieu le plus rapidement possible. Une question de Christophe Boisbouvier. Thomas Gassillou, est-ce qu'il n'y a pas du donnant-donnant depuis hier soir dans les conversations entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno? D'un côté, Emmanuel Macron demande à son homologue tchadien de laisser dans la zone des trois frontières Mali-Burkina-Niger les 1200 soldats tchadiens qui viennent d'y arriver. Et en échange, Mahamat Idriss Déby Itno demande à Emmanuel Macron de le défendre contre l'avancée des rebelles qui sont à Mao à 300 km. Alors, je ne suis pas dans l'intimité des conversations entre le président tchadien et le président français. Le Tchad a déjà fait savoir qu'il maintenait effectivement ses engagements à la fois dans la force conjointe du G5 Sahel et également au sein de la MINUSMA, où il a plus de 1000 soldats qui sont engagés au sein de la MINUSMA et des troupes très combatives. Et donc la sécurité, c'est bien une œuvre collective. Effectivement, les cinq États du G5 Sahel sont aujourd'hui dans une aventure collective au travers du G5 Sahel en matière de sécurité. La France et d'autres pays européens appuient. Et donc, effectivement, c'est bien ensemble qu'il faut relever ce défi sécuritaire de manière coordonnée. Et effectivement, la France veille à cette cohésion des pays du G5 Sahel, car aucun n'aura seul la réponse aux questions sécuritaires sur l'ensemble de cette zone. Et comme c'est donnant-donnant, Emmanuel Macron déclare ce matin la France ne laissera personne menacer la stabilité du Tchad. Et la petite phrase a été applaudie par tous les membres de l'entourage du nouveau chef de l'État tchadien. Alors, la France et le Tchad ont des accords de défense, hein, comme d'autres pays du G5. Et je crois que dans ces accords de défense, la France, d'une certaine manière, s'engage à prêter assistance aux autorités tchadiennes, si toutefois celles-ci sont soumises à des volontés de déstabilisation venues de l'extérieur. Donc, de ce côté-là, dans l'histoire des relations franco-tchadiennes, il n'y a rien de nouveau. La France a toujours été aux côtés du Tchad quand celui-ci était menacé de déstabilisation. Paul Simon Andy, qu'est-ce que vous retenez, vous, des propos d'Emmanuel Macron de son allocution Place de la Nation ? Soutien à l'intégrité du Tchad ou demande d'une transition plus inclusive? Les propos du président tchadien, du président français laissaient transparaître les deux. Soutien à l'intégrité territoriale du Tchad et aussi un souhait vivement exprimé de voir la transition la plus inclusive que possible, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, mais qui, visiblement, les premiers signes montrent que les autorités de transition voudraient inclure plus de civils. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que aujourd'hui encore, la stabilité, l'intégrité territoriale du Tchad soit aussi dépendante du partenaire français. Et d'ailleurs, c'est bien ironique que le Tchad ait autant besoin de la France pour sa stabilité interne, mais soit perçu comme un acteur hyper important dans la stabilisation de la région, Afrique de l'Ouest et de la région Afrique centrale. Ça peut paraître ironique, mais c'est justement qu'aujourd'hui encore, le Tchad, pour sa stabilité, pour son intégrité territoriale, ne peut pas se passer de la France. Guy Bayatama, vous partagez cette analyse, un Tchad indispensable à l'extérieur et nécessiteux à l'intérieur? Oui, le Tchad est indispensable à l'extérieur et je crois que ça fait le bonheur aussi de plusieurs pays africains, dont le Cameroun, c'est-à-dire que le Tchad sert de tampon pour que nous ne soyons pas attaqués par les djihadistes du Sahel. Le Tchad intervient beaucoup dans la guerre contre Boko Haram. En 2015, au plus fort de cette bataille, le Tchad a intervenu. Je crois que c'est le premier pays à avoir stationné des troupes à l'intérieur du Cameroun, notamment à Mora. Donc un Tchad stable est un Tchad qui est important pour tout le monde. Mais est-ce que c'est pour cette raison qu'on devrait mettre en parenthèse les institutions? Je pense qu'on peut travailler à concilier les deux. Et je sais que la France aujourd'hui qui a pris les devants de ce problème-là pourra amener toutes les parties sur la table de négociation, trouver un accord pour que cette stabilité du Tchad-là soit une bonne stabilité.
Alors le Tchad affronte depuis une quinzaine de jours maintenant une incursion des rebelles du FACT venus de leurs bases arrières du territoire libyen. C'est lors de combats avec ces rebelles du FACT que le président tchadien aurait été mortellement blessé selon l'armée tchadienne. Le FACT est-il un vrai péril pour le Tchad, Thomas Guessilou? Oui, alors déjà, si vous me le permettez, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit précédemment en disant qu'effectivement, le destin sécuritaire de la France et du Tchad sont liés, mais ce n'est pas forcément une volonté de la France d'être l'ultime recours. Au contraire, hein, la France pousse beaucoup sur l'ensemble de la zone du Sahel à la sahélisation, c'est-à-dire à la capacité des États sahéliens d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité, et elle aide les armées sahéliennes pour avancer dans ce sens-là, et elle pousse également à l'européanisation, c'est-à-dire au fait que d'autres partenaires à l'échelle européenne puissent également contribuer à la stabilité, à la sécurité des pays sahéliens. Elle comptait peut-être plus sur le Tchad que sur les autres pays, Thomas Guessilou. Alors oui, de fait, aujourd'hui, effectivement, vous avez l'armée tchadienne qui a certaines qualités. C'est une armée qui contribue positivement à la sécurité dans d'autres pays. Comme je le disais, elle a 2600 soldats qui sont projetés notamment dans le fuseau centre du Sahel, effectivement. Donc elle contribue positivement à cette sécurité dans une zone régionale très déstabilisée, hein, que ce soit au Soudan, au nord de la République centrafricaine, en Libye. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du verrou sécuritaire tchadien. Alors justement, hein, ce fact venu de Libye, vrai péril pour le Tchad, Thomas Guessilou. Alors oui, de fait, quand on regarde la quantité, on va dire, des éléments engagés et les matériels dont ils disposent, effectivement, cette menace venue du Nord, avec des combattants venus de Libye, est une menace, mais une menace qui a été jusqu'à présent correctement traitée par les forces armées tchadiennes qui sont très combatives, mais voilà, qui a aussi causé la mort du président tchadien. Donc voilà, d'où l'importance de soutenir aujourd'hui les autorités tchadiennes pour contenir cette menace venue du Nord. Oui, mais Thomas Guessilou, quand Idriss Déby a pris le pouvoir il y a 30 ans, ne venait-il pas du Soudan ? Ah ben, il y a 30 ans, alors, effectivement, il est venu lui-même par un coup d'État. Il a depuis fait progresser le Tchad. Et encore une fois, ce n'est pas à la France de se positionner par rapport aux questions de politique intérieure. Mais là, clairement, sur le fact, il y a effectivement des ressources extérieures au Tchad. Et comme je le disais, la France a des accords de défense avec le Tchad et est particulièrement attachée à la stabilité et à la sécurité de cette zone. Est-ce qu'il y a des discussions discrètes entre Paris et les rebelles du FACT ? Je ne peux pas vous le dire. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que le FACT n'hésite pas à prendre contact avec l'ensemble des autorités, on va dire, en France, mais aussi peut-être dans d'autres pays étrangers, pour faire part de ses positions. Paul Simon dit ce FACT, on le rappelle quand même, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui mène une incursion en territoire tchadien depuis une quinzaine de jours, depuis la Libye. Menace-t-il réellement toujours à l'heure actuelle la sécurité du Tchad, ou la menace est-elle convenablement traitée ? Je pense que, paradoxalement, ce qui aurait pu apparaître comme un trophée de guerre pour le FACT risque de sonner justement la fin de leur avancée vers N'Djamena. Finalement, avoir la peau du commandant en chef des armées tchadiennes, le président Déby, aurait pu être l'élément galvanisant qui aurait surmotivé les éléments du FACT. Mais je crois que là, la mort brutale du président Déby et surtout le constat de son importance personnelle, comme l'importance du Tchad dans la lutte contre les groupes extrémistes violents dans les zones du Sahel et du bassin du lac Tchad, on fait réaliser à tout le monde qu'on avait besoin d'une certaine stabilité, même précaire, à N'Djamena,
pour au moins confronter, enfin pour faire face à ces défis-là. Donc je pense que si la France avait aurait pu hésiter à apporter un certain soutien au président Déby, au Tchad, dans sa lutte contre ce fact, ce mouvement rebelle, là je suis sûr, je suis presque certain que l'engagement du Tchad, et c'était un peu le sens du discours du président Macron, je suis sûr que là, l'engagement français aux côtés des autorités tchadiennes sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus robuste, de manière à arrêter la progression du FAC d'Amiens. Alors parmi les questions, hein, peut-être pour terminer cette édition spéciale, qui se sont posées depuis la mort d'Idriss Déby, celle de la capacité de son fils Mahamat Idriss Déby à gérer des équilibres au sein des forces armées, des équilibres dont on disait que seul son père avait la recette. Paul Simon Andy, est-ce qu'il peut réussir ce défi? Alors c'est assez difficile à dire, on le connaît très peu. Il est surtout un militaire, il a quelques faits d'armes notables, mais il est très peu connu comme un gestionnaire, très peu connu au niveau politique, même par les Tchadiens. Donc c'est difficile à dire. Mais ceci dit, Idriss Déby, le nom Idriss Déby est devenu une vraie marque au Tchad, au sein de l'armée surtout. Donc il peut bénéficier de l'aura de son père et peut-être aussi il est le garant de la conservation de certains intérêts autant au sein de l'armée qu'au sein de la famille et même plus loin au sein de la communauté Zahrawa dont ils sont issus, qui une communauté qui est très représentée, certains diraient surreprésentée dans les postes de décision au Tchad et pas que dans l'armée. Donc oui, il a certainement des éléments s'il réussit à maintenir l'unité autant de l'armée que du gouvernement. Mais cela reste encore à être démontré. Guy Baye Gatama, le fils pourra-t-il préserver l'héritage du père? Je n'en doute pas. Si le clan Zakawa qui tient le pouvoir reste soudé et uni, avec l'appui des partenaires qui ont intérêt à ce que le Tchad joue un rôle important dans le cours de djihadisme, si tout ça est mis ensemble, je pense qu'il pourrait pas seulement faire 18 mois de transition, mais beaucoup d'années. Thomas Gassilou. Oui, alors, je le disais tout à l'heure, le Tchad est quand même un pays assez fragmenté, hein, que ce soit d'un point de vue politique, militaire et même civil, hein, quand on voit les différentes ethnies, et que même au sein des ethnies, voire même parfois au sein des familles, il y a des divisions, comme ont pu le montrer des rébellions précédemment. Donc on part d'un... Effectivement, il y a une nécessité de rassembler tout le monde et je pense que le fils peut gérer correctement la transition vers un régime plus démocratique s'il met en place une gouvernance la plus inclusive possible, notamment un premier ministre civil qui n'était pas prévu initialement dans la charte de la transition et qui finalement est prévu, c'est une très bonne chose. Et de l'ouverture également à la fois dans la composition du gouvernement et également dans la composition du CNT, du Conseil national de transition qui sera mis en place. Merci beaucoup à vous trois pour avoir participé à cette émission spéciale. Paul Simon Andy, conseiller régional principal à l'ISS de Dakar. Guy Baye Gatama, directeur de publication de L'Œil du Sahel. Thomas Gassilou, député du groupe Agir Ensemble et vice-président du groupe d'amitié France-Tchad. Christophe Beaubouvier, merci également, directeur Afrique de RFI, pour votre participation à cette émission.